Pardon. Oui, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Kiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, aujourd'hui on va retourner en enfance, que ça fait plaisir de retourner sur ce jeu les amis, puisque je vous retrouve pour la première vidéo sur la Nintendo Switch. Et oui, si vous ne le saviez pas, je me suis procuré la Nintendo Switch et j'en ai parlé d'ailleurs sur ma vidéo de reprise que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Oui, si vous l'avez pas vu, bah c'est pas bien, allez la voir, où je vous parle de la Nintendo Switch. Et donc voilà que je me la suis procuré durant le Black Friday, où la console n'était pas tellement chère. Donc voilà, c'était fin novembre à peu près. Et donc je vous retrouve sur le jeu Pokémon Let's Go Pikachu, donc voilà, qui est disponible sur Nintendo Switch. Et quel plaisir les amis de vous retrouver sur ce jeu qui a bercé mon enfance. Voilà, où j'étais gamin, je jouais dans les cours de récré, voilà, sur les Game Boy à l'époque. Donc ça remonte, hein, les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une Game Boy. Donc c'était l'une des premières consoles portables de la part de Nintendo. Donc voilà, la Game Boy, où c'était pas encore en couleur à l'époque, c'était en noir et blanc. Et je me rappelle, je passais des heures dans la cour de récré. Enfin bref, je pourrais vous raconter ma vie sur ce jeu, tellement j'en ai passé des heures sur ce jeu, à geeker, à remplir le Pokédex, tout ça. Donc d'avoir tous les Pokémon et tout. Je crois, il me semble que j'avais les deux versions à l'époque, donc c'était bleu et rouge. Alors que là on est sur la réédition de Pokémon jaune, donc Pokémon Let's Go Pikachu, qui est une réédition de la cartouche de Pokémon jaune, voilà. La version jaune qui était sortie en... Alors attendez que je dise pas de bêtises, qui était sortie en 2000. Et oui, c'était en tout début du 21e siècle, donc en 2000, voilà. Donc c'était la version jaune qui était sortie en 2000, et puis les autres versions bleues et rouges qui étaient sorties avant, je crois que c'était en 98, par là, désolé si je dis une bêtise, mais il semble que c'était en 98. Donc ouais, c'était durant ma période que j'étais en primaire, ouais. C'est ça. Donc bah écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver dessus, et j'espère que ça vous fera kiffer aussi, voilà, un petit moment nostalgie sur ce jeu, sur ce Pokémon Let's Go Pikachu. Et donc je suis équipé des deux Joy-Con, mais sur ce jeu on peut en utiliser qu'un seul, à part si vous voulez jouer avec un pote et tout, il peut utiliser l'autre Joy-Con, mais moi je vais en utiliser qu'un seul. Donc voilà comment ça commencer une manette de, enfin voilà, commencer des manettes de Switch, voilà. Donc c'est ces petits Joy-Con. Bah écoutez, on va s'élancer pour cette petite vidéo détente sur ce jeu. Bah écoutez, on va un petit peu capturer des Pokémon, on va un petit peu se balader, parce que j'ai terminé ce jeu, voilà, je vous ai pas attendu avant de faire une vidéo, j'avais trop envie de le faire, et je l'ai terminé il y a pas si longtemps que ça, hein. Enfin voilà, au moment où je tourne, ça fait pas longtemps que je l'ai fini, pardon. Parce que oui, je le répète, hein, je prends des vidéos d'avance, donc toutes les vidéos que vous voyez depuis le 30 décembre, donc depuis l'année dernière, depuis le 30 décembre 2019, bah, j'enregistre des vidéos d'avance, ce qui fait que voilà, j'enregistre tout durant la même semaine. Donc voilà, vous voyez que j'ai eu tous les badges. Enfin voilà, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce que ce jeu il est sorti depuis maintenant des années. Enfin, cette version Let's Go Pikachu, je l'ai pas dit d'ailleurs, elle est sortie le 16 novembre 2018. Donc voilà, ça va faire plus d'un an qu'elle est sortie, cette version Let's Go Pikachu. Donc bien sûr, c'est une exclu Nintendo, hein, donc elle est sortie uniquement sur la Switch. Elle est éditée par The Pokémon Company Nintendo, et donc développée par Game Freak. Donc j'ai préparé encore une fois une petite liste, hein, c'est pour ça que vous voyez tourner la tête à chaque fois, c'est parce que j'ai préparé des petites choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Et donc je pense que je vous ai tout dit. Allez, on est parti les amis, continuez. Et donc comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai déjà terminé ce jeu, et là on se retrouve dans la ville de Cramoisil. Donc voilà, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez un minimum le jeu, donc vous attendez à être spoilé. Mais si vous voulez pas être spoilé, ben je vous invite d'ores et déjà à quitter la vidéo, voilà, si vous voulez pas être spoilé sur le jeu, parce qu'il va y avoir du spoil, hein. Ça je peux pas l'éviter, malheureusement. Donc
Eh bah écoutez, on va. Ouais, pourquoi j'utilise la deuxième manette, c'est pas. Enfin, si, ça, l'autre Joy-Con, l'autre Joy-Con, pardon, peut être utilisé pour capturer des Pokémon plus facilement. Enfin, je vous montrerai ça dès qu'il faudra en capturer. Mais là, pour l'instant, on n'utilise qu'un seul Joy-Con. Donc bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, on va capturer des Pokémon, on va compléter le Pokédex. Donc si vous avez l'arène de Cramoisil, donc il me semble que c'est une arène de type feu, il me semble. Attendez, on va vérifier ça. Auguste, le maître du quiz en quiz, lui il avait des Pokémon feu. Voilà, donc c'était le septième badge de mémoire. Voilà. Donc ici, ok, on peut passer par, si on veut, par l'océan. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va un petit peu bouger d'ici. Donc on va utiliser la carte qui se trouve ici, voilà. Ah, quel plaisir les amis de vous retrouver sur du Pokémon. Moi ça fait depuis un petit moment que j'y joue, mais c'est vrai qu'en vidéo ça fait plaisir de vous proposer ça en vidéo. Où est-ce qu'on pourrait aller pour capturer des Pokémon? On va peut-être partir du côté de Safrania, voilà. On va aller ici, hop, utiliser l'ATS vol, et c'est Pikachu, voilà. C'est grâce à Pikachu qu'on peut s'envoler grâce à tous les ballons et tout. C'est magnifique. Alors, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer mon équipe. Donc vous voyez que j'ai que des Pokémon de niveau 100, voilà, j'ai réussi à les faire monter jusqu'au niveau 100, pardon. Donc j'ai Pikachu, voilà, donc c'est moi, ça a été mon starter, hein, Pikachu bien évidemment. Ensuite nous avons Tortank, donc Pikachu qui est de type électrique, Tortank de type eau, Dracaufeu qui est de type feu vol, enfin je sais pas s'il a le double type d'ailleurs, j'ai pas vraiment regardé. Il a double type, donc feu et vol, voilà. Ensuite nous avons Articodin, donc qui est un des légendaires de ce jeu, donc Articodin qui est de type vol et glace, voilà. Ensuite nous avons Dracolos, donc qui est de type dragon et vol, qui est vraiment un Pokémon puissant dans ce jeu, donc voilà. Et nous avons bien évidemment Mewtwo, voilà, qui est le légendaire principal de ce jeu, donc Mewtwo, voilà, qu'on a à la fin du jeu. Et donc voilà, je l'ai mis dans mon équipe, sachant qu'avant j'avais à la place de Mewtwo, j'avais Florizarre, voilà, qui est de type plante. Et j'avais Roucarnage, voilà, qui est de type vol, à la place de Articodin. Et sinon comment il s'appelle, mince, j'ai oublié son nom, attendez, on va aller voir ça dans la boîte PC, j'ai complètement oublié son nom. J'avais, voilà, lui, Hypnomade, qui est de niveau 82, donc je l'avais dans mon équipe, voilà. Donc voilà de ce côté là. Donc vous voyez un petit aperçu de tous les Pokémon que j'ai récupéré, donc je vais pas tous vous les montrer, hein, voilà, vous avez un petit aperçu de tous les Pokémon que j'ai récupéré. Et donc on va essayer un petit peu de compléter le Pokédex, d'avoir d'autres Pokémon, ça serait pas mal. Sinon qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre tant qu'on est dans le menu? Donc bah écoutez, on va aller voir dans le Pokédex directement les Pokémon qui nous manquent. Vous voyez, il nous en manque pas mal, hein. Il nous manque Dardanin, donc qui est l'évolution de Cocofort. D'ailleurs on pourrait faire ça, je crois que j'en ai un Cocofort, mais je dois avoir un Aspico dans tous les cas, voilà. Donc on pourra le faire évoluer. Un abo, ça serait bien qu'on ait un abo. Attendez, information. Non, c'est plutôt Habitat. Non, je me suis gouré, pardon. Hop, on va y arriver. Habitat. Alors où est-ce qu'il est le petit abo? Ah, zone inconnue, on l'a pas rencontré encore. Ouais, c'est mince. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Du coup, il va falloir qu'on essaye de le choper. Il va falloir qu'on essaye de fouiller, de le choper directement, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Arbok, donc qui est l'évolution de Abo. On a Raichu. Donc c'est vrai que notre Pikachu, on pourrait le faire évoluer, mais j'ai pas envie de le faire évoluer. En fait, j'ai envie qu'il reste en Pikachu. Voilà, le Raichu, si on veut, on peut le faire évoluer. Sablero, donc c'est l'évolution de Sabelette. Je crois que j'en ai un, Sabelette. Nidoran. Donc voilà, on a l'évolution de Nidorina. Et on a l'autre évolution, Nidoqueen. Ensuite tout ça on a Melodel, je crois qu'on peut le rencontrer directement, hein, sans passer par l'évolution. Alors attendez, Habitat, est-ce que ça nous dit l'Habitat ou pas? Ah oui, on peut l'avoir ici si on veut, au Mont Sélinite. Ok, bon, on y passera au cas où. Ok.
Enfin, je vais pas tout vous montrer, hein. Voilà, après vous avez d'autres Pokémon Fenard, l'évolution de Goupix, vous avez Groudoudou, l'évolution de Rondoudou, et ensuite voilà, vous avez d'autres Pokémon. Mais je crois qu'on va commencer déjà un petit peu à se balader donc sur la. Je vais vous montrer ça, hop, la carte. Tac, utilisée. Ouais, on va commencer un petit peu se balader sur la route 6, parce que je pense qu'on peut rencontrer des Pokémon intéressants avant d'aller dans le mont Sélénite ici. Allez, hop, on est parti, on range la carte et on va utiliser d'ailleurs Dracaufeu. Hop, sortir de la Pokéball, parce qu'on peut sortir les Pokémon de la Pokéball pour qu'ils nous accompagnent. Et là, Dracaufeu, vous allez voir, et voilà, on peut grimper directement dessus et hop, on peut se déplacer avec lui. Pourquoi on peut pas aller par là? Ah voilà, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il faut passer. Alors attendez, on va le ranger du coup dans la Pokéball, parce que là il va pas passer sinon. Hop, retour dans la Pokéball, voilà. Tac, hop, on passe là dedans. Tac, nickel. Et donc ici on va pouvoir récupérer des Pokémon dans les hautes herbes, hein. Voilà, si vous avez l'habitude de voir des de jouer à Pokémon et de voir des vidéos. Donc là on a des roues cool, c'est pas forcément intéressant. On va voir si on n'a pas d'autres Pokémon intéressants. On peut utiliser. Oh, on a un Rondoudou, mais c'est pas intéressant. On peut utiliser bien sûr du parfum pour que qu'on ait un maximum de chances d'avoir des Pokémon qui pop. Donc on va utiliser un parfum max. Voilà. Utiliser. Nickel. Et du coup là ça a un petit peu plus popé les Pokémon. Et on va aller voir dans l'eau. On utilise la TS navigation et c'est encore une fois Pikachu. Et toutes les TS, de toute façon ça va être Pikachu, que ce soit l'eau, que ce soit la force, que ce soit le vol, enfin bref, la TS coupe également. Merde, pourquoi je suis sorti? Je sais pas. Ah, on est tombé sur quoi? Sur un Rattata. Est-ce qu'on capture? Allez, juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors attendez, vous voyez que ça se passe comme ça, donc il faut appuyer sur la touche A pour lancer la Pokéball, mais on va utiliser une deuxième. Est-ce qu'on utilise le deuxième Joy-Coin pour avoir plus. Ben non, enfin, de toute façon, un Rattata, c'est simple à capturer. Donc, on appuie sur lancer, hop, et là, regardez. C'est pour ça que j'utilise la cam, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Regardez, hop, on attend. Ça, c'est rétrécisse, hop, on utilise, et excellent, vous voyez. Il suffit juste de faire ce geste-là pour lancer la Pokéball et le capturer. Donc j'ai utilisé une Hyper Ball, mais voilà, c'est de toute façon un Rattata, c'est simple à capturer, hein. Ça servait pas trop à grand chose de le capturer, mais bon, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Hop, donc voilà le Rattata qui est parti dans la boîte PC. Pourquoi je prends l'autre manette? C'est une habitude. Donc je voulais retourner dans l'eau, s'il te plaît, merci. Voilà. Pégaso ! Oh, oh, on a des. Est-ce que poids sirène? Je crois poids sirène, je l'ai, il me semble. On va quand même le capturer, ça fera encore un petit Pokémon en plus. Mais normalement, ça devrait passer avec une Hyper Ball, hein, pas de souci. Voilà, c'est capturé. Et ça va aller directement à la boîte PC. Donc poids sirène, je l'avais, hein, il me semble. Ouais, je l'avais. Et donc là, mes Pokémon qui ne gagnent plus d'XP, c'est normal parce qu'ils sont arrivés au niveau 100. Et le niveau 100, c'est le. C'est le maximum, donc voilà, il gagne plus d'XP. Et donc voilà, il est parti dans la boîte PC. Parfait. On va encore continuer un petit peu dans l'eau, voir si on a un Magikarp, c'est pas forcément intéressant. Hop, on sort d'ici, on vérifie s'il n'y a pas d'autres. Oh, on a un Abra. Un Abra, ça peut être intéressant. Même si je l'ai déjà. Bon, lui, il va être un petit peu plus chaud, vous voyez, il a capturé du coup. On va utiliser la deuxième manette, vous voyez, ça va s'afficher normalement, si ça veut bien. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça ne veut pas s'afficher? Ah voilà, une dresseuse de soutien à court pour vous porter main forte, enfin, je crois que c'était marqué ça. Et du coup, vous voyez qu'on a deux Pokéballs, et là on va pouvoir se servir des deux Joy-Con, même si ça s'affiche en vert, c'est assez facile, mais bon, ça nous fera plus de bonbons, plus de trucs et tout. Du coup, attention, ça va être compliqué à capturer vu qu'il bouge. Je pourrais utiliser. Attendez, vous savez quoi? Attendez. On va utiliser une baie. Comme ça, il va s'arrêter de bouger. On va utiliser une baie nanab dorée. Je crois que c'est ça qu'il faut utiliser. Ouais, c'est ça pour éviter qu'il bouge. Du coup, hop, on lui lance. Voilà, il s'arrête de bouger. Et là, c'est parti. Donc, il va falloir un petit peu orienter vers la droite pour le capturer. Ah, attention, on attend que ça se rétrécisse. Et. Ah, c'est pas en excellent.
Mais bon, ça devrait logiquement le faire, les amis. Attention. 2, 3 fois et c'est fait. Voilà. Le petit abra qui est capturé, même si je l'avais déjà. Mais bon. Comme je vous l'ai dit, ça nous fera des bonbons en plus et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Des bonbons d'XP. Et vous voyez que voilà. Si je veux, il y a une deuxième. Un partenaire qui peut m'aider pour les captures s'il veut. Mais là, on va. Donc pour la faire partir, il suffit de secouer le Joy-Coin. Vous voyez, elle part. La magie. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on va partir du côté du mont. Ah, à chaque fois, j'oublie son nom. Attendez, on va voir ça. Le mont Sélénite, voilà. Donc on va aller directement. Est-ce que je peux. Non, je peux pas m'envoler directement là-bas. Du coup, on va se TP ici. À Argenta, et puis on va y aller à dos de Dracaufeu. Écoutez, c'est comme ça, et on est parti pour de la capture de Pokémon, les amis, là-dedans, dans ce mont Sélénite. On va utiliser encore une fois le parfum max. Hop, voilà, utilisé. Puis ben, on va essayer de capturer des Pokémon qu'on n'a pas, ça serait bien. Allez, un petit Mélodelf, s'il vous plaît. Allez, soyez sympa. Allez. C'est la... Oh yes! Yes! Le Mélodelf, enfin! Alors là, toi, tu vas... Parce qu'ils peuvent s'enfuir, alors vous voyez que c'est en orange, ça va être compliqué. Et surtout que j'ai pas de... Alors déjà, on va utiliser une baie nana pour qu'il arrête de bouger. Mais là, on n'a pas de baie... Alors attendez, on va utiliser, voilà, la dresseuse de soutien. On met toutes les chances, de notre côté, attention. Il va falloir extrêmement être précis. Ah, ça va pas passer. Si ça passe, j'ai vraiment de la chatte. Hein. Une fois, deux fois, trois fois. Oh, ça passe! Ça passe, les amis. Yes! Yes, le Mélodelf. Et ben voilà. Écoutez, ça, on va pouvoir bien terminer cette vidéo. Voilà, le Mélodelf que je n'ai pas et qui s'ajoute donc au Pokédex. Ah, ça fait plaisir. Au moins, je pars pas sur une défaite. Enfin voilà, je pars sur un Pokémon que je n'avais pas. Et ça fait plutôt plaisir, les amis. Bah écoutez, on va sortir de cette grotte. Attention. Ah, le Nosferapti dégage. On s'en fout. Hop, on a eu ce qu'on voulait. Bah écoutez, ça fait plaisir, les amis. Voilà. On part sur un petit Mélodelf. Hop, on sort de là. Et puis, on va s'envoler. Bah écoutez, j'ai envie de dire sur ma ville natale, on va partir en direction de Bourg-Palette. Hop, utilisé. Tac. Et on part à ma ville de départ, Bourg-Palette, voilà. Et on va partir vers chez nous, où on a commencé, enfin, où j'ai commencé, bien sûr, ce jeu. Et voilà, la petite ville de Bourg-Palette, toute mignonne, avec le laboratoire du professeur Chen qui est juste là. Le parfum s'est dissipé. Non, bien évidemment. Voilà. Et on va s'arrêter juste devant notre maison. Voilà, c'est notre petite maison avec notre maman qui est dedans, bien sûr. Hop, elle est là, ma petite maman. Dans le jeu, hein, bien sûr. bah ouais, on va s'arrêter là, les amis. Bah écoutez, j'espère que cette première vidéo sur la Nintendo Switch vous aura plu sur ce jeu Pokémon Let's Go Pikachu. Et donc, je commence un petit peu à perdre la voix à force de parler. Donc la prochaine vidéo sur Switch, ce sera... The Legend of Zelda, Breath of the Wild, pardon, j'ai du mal avec l'anglais décidément. Donc ça arrivera sûrement la semaine prochaine, donc soyez à l'affût d'une prochaine sortie de vidéo. Donc voilà, la prochaine vidéo sur Switch sera sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild. D'ici là, les amis, portez-vous bien et attendez que je m'embrouille pas. Soit c'est sorti, soit ça va sortir donc le let's play sur Resident Evil 2, pardon, le remake qui arrivera sur Xbox One, donc qui devrait arriver cette semaine normalement. Donc oui, je le répète, hein, les vidéos je les tourne en avance dans la même semaine, donc que ce soit du Resident Evil, soit ça les vidéos sur Pokémon, même sur Zelda, hein, ça arrivera là. J'ai fait toutes dans la même semaine pour prendre un petit peu d'avance vu que je serai pas là durant les fêtes et tout, ça risque d'être compliqué à tourner des vidéos, donc voilà, je prends un petit peu d'avance. Et du coup ce qui fait que voilà, ben je prends tout simplement de l'avance pour pas que vous soyez à court de vidéos sur ma chaîne. Et donc les amis,
on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Et on se donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour du prochain contenu. C'était Kero. Allez, ciao ciao. Pod.